Cette époque où nous vivons est un moment critique et violent. Un monde s'écroule. Un autre n'est pas encore né. Ce n'est pas une époque d'équilibre où la paix et l'amour, la politesse, le compromis puissent être des vertus fécondes. La guerre est maître de notre temps. La solidarité entre hommes n'est plus un luxe pour cœur tendre. Honorable Monsieur Kazantzakis, je suis le maître d'école du village et je vous écris pour vous annoncer la triste nouvelle qu'Alexis Zorba. Comment la mort a-t-elle pu abattre un lutteur si rusé? Comment faire? Ai-je pensé toute la nuit. Que faire pour exorciser la mort? Sa mort. Et voilà que, du fond de mon être, les souvenirs jaillissent, se bousculant l'un l'autre. Il me cerne, il me presse furieusement, il me crie d'aller recueillir Zorba éparpillé dans la terre, dans la mer et dans le vent, et de le ressusciter. Non, t'es pas libre, patron. La corde avec laquelle t'es attaché est un peu plus longue que celle des autres, c'est tout. Toi, patron, t'as une longue ficelle, tu vas, tu viens, tu crois que t'es libre, mais... La ficelle, tu la coupes pas. Je me mis à écrire. Et le mythe de Zorba a commencé à se cristalliser en moi. Plus j'écrivais, plus les journées que nous avions partagées repassaient devant moi. Les propos qu'il me tenait. Le symbole dont il me tenait. Les danses qu'il me dansait sur ce rivage du Péloponnèse, où plus que 20 ans auparavant nous avions passé 6 mois avec une foule d'ouvriers creusant la terre pour soi-disant trouver un peu de lignite. Les souvenirs évanouis sont revenus à la vie et ils sont montés un étage plus haut que la vérité, 2 étages plus haut que le mensonge. Peu à peu, Zorba se métamorphosait et il devenait légende. Tu ne crois pas en l'homme, toi, hein? Oh, te fâche pas, patron. Si je croyais en l'homme, je croirais aussi en Dieu. Et si je croyais en Dieu, je croirais aussi au diable. Et là, c'est tout un chantier. Ça se complique, ça s'embrouille et ça me retombe sur le nez. Patron, j'ai depuis des jours, j'ai une idée magnifique, un projet... Une idée de folie, quoi! On la réalise! Mais c'est pour ça que nous sommes venus ici, pour réaliser des idées. Attends, parle clair, on n'est pas venu ici pour le charbon? Le charbon est un prétexte. Patron! Patron, tu danses? Non. Non! Eh ben alors moi je peux danser, patron. Ouh! Ah! Hi-hi! Patron! Patron! Le charbon est un prétexte! Le charbon est un prétexte! Patron! J'ai un projet magnifique. Demain je te raconte tout. Allez, allez vite là! Est-ce que Dieu existe, oui ou non? Et s'il existe, tout est possible. Comment tu l'imagines?
Mon dieu Zorba est homme et femme. Mortel et immortel. Crottin et esprit. Creuse, que vois-tu? Des hommes, des oiseaux, des pierres, des océans. Creuse encore, que vois-tu? Des idées, des rêves, des éclairs, des fantômes. Creuse encore, que vois-tu? Rien, une nuit muette, épaisse comme la mort. Brûle ta maison. J'arrive. Qui a une maison ne peut me recevoir. Brûle tes idées. Brise tes conceptions. Qui a trouvé la réponse ne peut me trouver. Viens avec moi. Aime le danger. Marche au-delà de la joie, de la douleur, de la paix, de la vertu. Brise ces idoles. Je n'y rentre pas. Brise-toi aussi. Je veux passer. Chère dame fidèle, ce sont les satisfaits. Des grâces à Dieu, les stériles. Prépare-toi. C'est la guerre. Pour les morts. Moi, je m'imagine Dieu exactement pareil à moi. Plus grand, plus fort, plus timbré et immortel en plus. Ouais. Il est bien assis comme ça, confortablement sur des peaux de mouton bien moelleuses. Et sa baraque, c'est le ciel. Dans sa main droite, il n'a pas une épée ni une balance. Ça, c'est des instruments pour les assassins, ça, ou pour les épiciers. Non. Il a une grosse éponge, pleine d'eau, comme un nuage de pluie. À sa droite, c'est paradis, à sa gauche, c'est l'enfer. L'âme se jette aux pieds de Dieu, grâce, pitié, qu'il lui dit. Et elle commence à déballer tous ses péchés. Elle en déballe, et ça n'en finit plus. Bon, voilà. Ah, arrête. Tais-toi, tu me casses les oreilles. Ah. Et fa, un coup d'éponge, et il efface tous les péchés. Allez, dégage, va au paradis. Pierre, ouvre-lui aussi à cette pauvrette. Laisse-la entrer. Tu dois le savoir, patron. Dieu est grand seigneur. Et la noblesse, c'est ça, c'est pardonner. Pourquoi tu n'écris pas toi-même, Zorba, pour nous expliquer tous ces mystères du monde? Ben parce que moi, je les vis, tous ces mystères, comme tu dis. Et que j'ai pas le temps d'écrire. Des fois, c'est le monde. Des fois, c'est la femme. Des fois, c'est le vin. Des fois, c'est le sandori. Où veux-tu que je prenne le temps de prendre cette bavasse de plume. Et c'est comme ça que le monde est tombé dans les mains des gras de papier. Tu vois, tous ceux qui vivent les mystères, ils n'ont pas le temps d'écrire. Et tous ceux qui ont le temps, ils vivent pas les mystères. Et là, je me prends d'amitié pour un russe.
On s'était mis d'accord comme ça. Dès que je comprenais plus, je criais stop et il se levait pour danser ce qu'il voulait me dire. Et moi, je comprenais tout. Je regardais ses mains, je regardais ses pieds, je regardais sa poitrine, je regardais ses yeux. Tout, je comprenais tout. Comment ils sont arrivés? Et ils sont rentrés dans l'Aurore 6. Comment ils ont tué tous les notables? Comment ils ont pillé les magasins? Comment ils ont entré dans les maisons? Et comment ils ont enlevé les femmes? Où allons-nous, Zorba? Ne le demande pas. Monte. Descends. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de fin. Il n'y a que ce moment présent. Plein de douceur, plein d'amertume, et je m'en réjouis pleinement. La vie est bonne, la mort est bonne. Je me donne à tout. Tout puissant, mon corps, un vaisseau sur des eaux profondes. Son but, le naufrage. Maintenant, je le sais. Je n'espère rien. Je ne crains rien. Libéré de l'esprit et du cœur, je suis monté plus haut. Je n'espère rien. Je ne crains rien. Je suis libre.